Bonjour mes petites douceurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Ce matin j'ai reçu un colis comme ça. Et du coup je me demandais c'était quoi. Je vous montre pas le dessus parce qu'il y a plein d'adresses et plein de vignettes, voilà. Et je me demandais c'était quoi, du coup j'ai juste pré-ouvert. Et quand j'ai vu ça, vous allez voir, c'est la nouvelle box du petit colis. Voilà. Elle se présente comme ça maintenant. Voilà. Ils ont changé. Je vous avais dit le mois passé qu'ils changeaient tout. Et du coup, tout est comme... Je vois les livres. Voilà. Dans un juste truc. Et la boîte, elle se présente comme ceci. Voilà. Un truc là. Rencontrons... Votre prochaine lecture. Pour en savoir plus, le code QR machin, retrouvé sur le petit colis. Voilà. Du coup, maintenant, la boîte, elle se retrouve toute petite. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est là-dedans. Voilà, je vais choper. On a un beau marque-page. Pour une fois, ça change. Je pourrais passer le reste de ma vie à lire juste pour satisfaire ma curiosité. Malco X. Elle est trop belle. Par contre, ils sont plus cartonnés. Ils sont floufli. Du coup, on va ouvrir ça. Je vais essayer de ne pas me faire spoiler des livres. Ça va être compliqué. On a un petit sac. Ça, c'est bien. Le petit colis. Love Book. Il est trop beau. Ça, c'est toujours pratique. Bon, il y en a un que j'ai vu. Hop, je prends le premier qui est celui-ci. Tous les couleurs de la nuit. De Karine Lambert. C'est le livre de poche. Voilà, je ne sais pas quoi. Ma tante de ce livre. En tout cas, il n'était pas dans mon dans mes listes. Parce que c'est de la romance, du moins. Parce que moi, c'est lire de la romance à la base. Bon, je vais essayer de lire la quatrième de couverture, si ça vous dit. Le dianotique et hiver vocable. Ici, 3 semaines, Vincent aura perdu la vue. Confronté par un destin, ce prof de tennis de 35 ans qui avait tout pour être heureux, exprimé le déni, la colère et la désespoir. Comment se prépare à vitré par l'absolu. Oh ah, bon, arrête de bugger. Absolutité. Sur quoi compte alors que le monde était petit à petit autour de lui? Et quand chaque minute devient un parcours d'obstacles, il se défuit. Allez, ça va aller. Il se réfugie à la campagne où il renoue avec ses souvenirs d'enfance. Les mains plongées dans la terre, Vincent se connecte avec les sens et sa tante présent aux autres. Il tente de gagner les matchs de la nouvelle vie. Cette histoire lumineuse est d'une transmission de famille et d'amour hors zone de humide. Sans cerveau, alors uniquement mes coups. C'est pas un livre qui me tente vraiment. Voilà pour le premier livre. Je vois qu'il y a autre chose. La petite gazette. Bon, je regarderai ça après. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est de
Loulou Robert, je l'aime. L'histoire d'une passion hors forme. Pierre Valassure de Paris. Chez Pocket, ce que je lis pour le moment, les Pocket. Il est tout petit celui-là par contre. J'ai pas regardé l'autre, 200. Le 136. Excusez-moi, mais je viens de boire un coup et je fais des rototos. Je voulais la quatrième de coup. Celui-ci me tente plus que l'autre. Voilà. Du coup, je vais vous lire. Elle inspire l'amour. Elle tente. Pourquoi vivre sinon? Ce matin, un matin, l'année de ses 18 ans, elle rencontre M. C'est lui, elle a certainement, alors seulement, elle commence à hésiter. Elle se jure qu'elle lui appartiendra. Se promet d'aimer à la crever. Elle a peur de lui montrer son amour. Peu de lui faire fuir. Peur de lui faire pour. Mais elle décide de tout faire pour devenir celle qu'il aimera, et elle réussit. Mais comment faire pour que son amour fou explose dangereusement, ne consume pas tout? Ceci me tente bien, le résumé me plaît bien. Dans la confiance, à la fois trahison et sublime, elle raconte une folie de folie et découvre une femme pour un homme. Moi, ouais. C'est aussi peut. Ah non, c'était. Il est trop beau. Enfin, beau. Il y a mieux, mais pourquoi pas. Il fait plus horreur, je trouve. Parce que là, vous voyez pas, il y a un bocal avec une tête dedans. Ça fait plus livre horreur. Il n'y a pas de. C'est écrit Asti. Espacé, me semble. Ouais, ça a l'air bien espacé à part certains plages. Celui-là, je vous dis, il y a 200. Je vous dis 30 et des. Tu sais, j'ai pas regardé les pages qu'il faisait. Bon, lui aussi va se lire vite. C'est 300. 319 pages. Voilà les petits livres que j'ai reçus dans le petit colis. Voilà. Alors, j'ai ceci. La gazette du petit colis janvier, après j'ai plus rien, il y a juste du papier là. Janvier 2021, c'est la nouvelle box qu'ils ont fait. Je vous avais dit le mois passé qu'ils avaient changé la box. Du coup, les éditions, là ça parle d'édition, la prochaine coup de cœur. Des petits livres, du coup de cœur, des contes. Il n'y a que 4 pages. Les paroles d'auteur. La surprise du mois. Un tote bag en coton. Un tote bag en coton. Pour bien démarrer la nouvelle année, nous avons décidé de vous faire plaisir dans notre petit colis nouveau. Modèle, nous avons donc souhaité intégrer un cadeau qui peut vous plaire et il soit pratique et utilisable. Chaque année, nous rendrons spécialement pour nous nouveaux talk back. Et bien, vous avez des décors et à légère, nous le découvrons dans notre petit colis de colis janvier. Une nouvelle décision de box, nouvel contenu, nouveau talkback. Placé à la découverte et des nouveautés. Toute l'équipe vous souhaite et la bienvenue dans notre nouvelle expérience de lecture. Voilà, là, il y a les livres qu'on aime du petit colis. Il y a une petite recette de. Ça, par contre, ça serait peut-être. Il faudra que j'achète juste un moule. Il y a une petite recette de Madeleine. Au prouf. Voilà. Et il y a une petite recette juste ici.
je sais pas si vous faites comme ça, si vous faites pause, vous aurez la recette complète. Voilà. Voilà, c'est un petit livre avec quelques trucs dedans. Pourquoi pas, oui. Bon, c'est pas ça qu'on veut. Cette fois-ci, on n'a qu'un marque-page. Un marque-page, il est beau, mais Jamul est plus cartonné. Et il y a toujours le truc derrière où on peut écrire le titre du livre, l'auteur, les impressions et nos pages. Voilà. Voilà pour cette box. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous remonter les livres. Oui. Dites-moi lequel qui est peu attiré. Moi, je suis zit avec celui-là. Franchement, celui-là me fait penser à un jardin. On va essayer de le lire quand même. Si je ne le lis pas, il sera en vente sur mon Vinted. Je vais voir. Je vais réfléchir à ça. Je vais essayer de savoir un peu plus. Apprendre. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je souhaite que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager surtout. Et de mettre plein de petits pouces pour que je monte dans l'algorithme, que tout le monde puisse me voir. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une autre vidéo. Je ne sais pas laquelle encore. Je vous fais des gros bisous.